serai sur une passe à 10 tranquillement. Et quand je mettrai un coup de sifflet, non, je pense que ça va essentiellement jouer sur la vitesse et puis l'organisation du jeu, quoi. Être plus intelligent que l'adversaire, essayer de réagir au mieux selon l'attaque ou la défense qu'ils vont nous proposer. 4, bouge, tenez en mouvement, restez toujours en mouvement. 5. Oh, il y a toujours une petite part d'inquiétude parce que bon, il y en a pas mal qui connaissent pas ce niveau. Bon, on est encadré par des plus anciens comme Quentin, Dominique, Samir qui est revenu, qui connaissent bien le niveau. Donc bon, on n'a pas trop de soucis à se faire, ça devrait bien se passer puisqu'on est un groupe relativement jeune mais très très solidaire. Donc je pense que c'est ce qui peut vraiment nous sortir de la panade. Ça a déjà bien servi en Fédéral 3. Puis je t'avouerai que les 3 années de Fédéral 3 nous ont tous fait beaucoup de bien. Au niveau d'agressivité, au niveau du jeu de devant, ça nous a bien fait mûrir. Bah on se prépare tranquillement, on essaye de se rassurer sur ce qu'on sait faire et puis prendre marque avec les nouveaux qui intègrent le groupe, donc les juniors qui montent et puis les nouveaux. Et puis on a hâte d'être à dimanche pour pouvoir en découdre, voir vraiment, parce que les matchs amicaux c'est quelque chose mais c'est pas la réalité du championnat, quoi. 4, bouge, tenez en mouvement, restez toujours en mouvement. 5. Ouais, difficile, mais on est une équipe de jeunes, de copains, on est soudés, donc je vois. Ça va être dur, mais si on serre les coudes comme on fait tous les ans, ça devrait se passer. Ouais, on rentre dans le terrain. 1,